C'est toi mon préféré. T'es mignonne, Zélie. Toi aussi, t'es ma préférée. Menteur! Oh, bah, laisse-moi le temps un peu, ouais. D'habitude, c'est moi qui dois t'arrêter. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui te tracasse? Oh, les problèmes d'écrivain. Rien de bien passionnant. Et je dois y retourner, d'ailleurs. Déjà? Il a payé pour toute la nuit. Ce serait un peu bête qu'il s'en aille si tôt. Zélie, pas gentil de me retenir. Bon, fais comme tu veux. Mais qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tu vas rentrer chez toi? Au bout d'une heure, t'auras pas avancé d'un poil. Tu vas te mettre à tourner comme un rat empoisonné. Et demain matin, tu regretteras de ne pas avoir passé la nuit avec moi. Qu'est-ce que tu proposes alors? Ben, déjà, monsieur Louis m'a apporté un calva, tu vas m'en dire des nouvelles. 20 ans après, tu lis ça, quoi. Ah oui, j'adore. C'est la suite des Trois Mousquetaires, tu sais. C'est épatant. À la tienne. Alors, c'est qui ton personnage préféré? Milady ou Constance Bonacieux? Constance, bien sûr. Milady, c'est la pire des vaches. En même temps, j'aime bien quand il y a un vrai méchant. C'est vrai que c'est important. Il y en a un dans ce que t'écris en ce moment? Ouais. Ouais, je crois que c'est un vrai méchant. Resserre-moi un peu, tu veux. Du calva. Resserre-moi du calva. Ouais, j'ai fait exprès, gros malin. T'es bête ou quoi? Alors, elle raconte quoi, cette nouvelle? Eh ben non. Justement. Là, c'est un roman. Un vrai roman? Oui. Bon sang. Ben raconte, c'est quoi l'histoire? Eh ben c'est bien ça le problème. C'est que je sais plus, ma peau. Je suis perdu. C'est une histoire d'amour? Amis, vous montrez les affaires de Jeanne dans sa chambre. Oui, monsieur. Le semeur sera joyeux à la Saint.
sainte Zita, le froid s'en va. C'est pourquoi demain, je me lèverai matin. Pour avancer mes plans, pour tailler mes armes, vie pour demain. Il faudra qu'on marche, acheter des œufs frais, demain. Je prendrai du merlan, du bar et du lavandroi. Pour moi, monsieur voudra sûrement du vin. Je passerai chez Bertin. C'est un avant-goût du paradis pour cet homme-là. Bon, ça suffit à présent. Si vous entendez. Allez faire votre promenade. Et cessez de blasphémer. Merci encore pour votre accueil, madame. J'ai été ravi de parler avec vous. Et merci pour vos crêpes, Rosalie. Elles sont effectivement savoureuses. C'est ma foi vraie qu'il est charmant. Matelot, on a tiré nos couteaux pour couper la corde, hein, mais couper, c'était perdre le chalut. Hein. Bon, le chalut valait bien. Mariette, chalut. 1500 francs. 1500 francs. Alors, Javert, il ne voulait pas. Hein. Il a dit comme ça qu'il fallait l'offrir. Mais le filet. On portait tout le bazar. Hein. Ça fait que, bon, bah, finalement, on a fini par mouiller l'ancre, on a détendu les amarres et on a pu dégager le pauvre bourre. Oh, son bras. Ah, mon Dieu, il fallait voir ça. Ça n'était plus qu'un amas de chair avec du sang qui jaillissait, comme avec une pompe. C'est mal. Écoutez, par la suite, épargnez-nous les détails, s'il vous plaît. Ma fille est sensible, votre histoire est pour le moins sanguignolante. Bah oui, mais surtout que c'est pas fini. Parce qu'après, la gangrène s'y a mise et il a fallu couper. Si nous allions nous promener. Et à la
Comme on est bien. Que c'est bon la campagne. Il y a des moments où je voudrais être mouche ou papillon pour me cacher dans les fleurs. Aimez-vous la nature, monsieur ? Avec passion, mademoiselle. J'ai vécu en ville quelques années et je n'en ai que de mauvais souvenirs. Il n'y a rien de bon, rien de sincère dans le monde. J'aimerais pourtant bien le connaître, le monde. Je n'ai jusqu'ici jamais voyagé au-delà de Rouen. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureuse ? Pardon ? Quels sont les pays que vous aimeriez le plus visiter ? L'Italie ! Et la Grèce ! Ah oui, la Grèce ! Et la Corse ! Ce doit être si sauvage et si beau ! Je préfère quant à moi la Suisse. J'aime son calme et ses lacs. Oh non, pas la Suisse ! On doit s'y ennuyer atrocement. L'Angleterre m'attire également. Vous n'aimez donc que les pays humides et froids ? Je préfère le soleil, moi, monsieur, à la Grèce. Comme ce doit être doux de retrouver les traces de tous ces peuples dont nous avons appris l'histoire, où se sont accomplies tant de grandes choses. Il ne tient qu'à vous de vous y rendre. Mais je trouve cela triste de voyager seul. Il faut être au moins deux pour se communiquer ses impressions. C'est vrai. J'aime à me promener seule, cependant. Comme on est bien quand on rêve toute seule. On peut aussi rêver à deux. Quel est donc votre petit nom ? Julien. Vous ne le saviez pas. Comme je le répéterai souvent, ce nom-là. Ce soir, vous serez ma femme. Monsieur le Vicomte ? Sa femme ? Ne le suis-je pas déjà ? Il me semble, à présent, qu'il a lâché maman, que depuis quelques jours, je n'ai fait que courir. Où j'allais, je n'ai fait que sourire, sans trop savoir pourquoi mon âme se grisait. Je suis à bout de souffle, mon bras s'embêtera, on tourne autour de moi, on parle et on s'agite, on sait ce que j'adore, on sait ce que je hais, on sait ce que je sais, on sait ce que j'ignore. Que j'espère, celui que j'attends.
Il y a des mystères que l'on cache soigneusement aux enfants, aux filles surtout, aux filles qui doivent rester pures d'esprit, irréprochablement pures jusqu'au jour où nous les remettons entre les bras de l'homme qui prendra soin de leur bonheur. Mais c'est à lui qu'il appartient de lever ce voile jeté sur le doux secret de la vie. Mais elle, si aucun soupçon ne les a encore effleurés, se révolte, souvent, devant la réalité un peu brutale, cachée derrière les rêves. Et blessée en leur âme, blessée même en leur corps, elle refuse ce que la loi naturelle et la loi humaine lui accordent comme un droit absolu. Ah. Oui. Je n'oublie point ceci, c'est important. Tu dois appartenir tout entière à ton époux. Voilà, c'est simple. Jeanne. Julien ? Que faites-vous ? Il est tard. Vous allez attraper froid. Venez me rejoindre, voulez-vous ? Approchez-vous, Jeanne. Voudrez-vous m'aimer ? Je vous aime déjà, mon ami. Voulez-vous me prouver que vous m'aimez ? Je suis à vous, mon ami. Vous ne voulez donc point être ma petite femme ? Est-ce que je ne le suis pas déjà ? Mais non, voyons. Ne vous moquez pas de moi. Oh, c'est horrible, la pauvre ! Eh ouais ! Elle doit être épouvantée ! Ah, surtout qu'il la prend à bras-le-corps ! Rageusement, il la couvre de baisers fous, de baisers mordants, sur la face, le haut de sa gorge. Arrête, lâche-moi! Ça va, Zélie? Ouais. C'est affreux, ton histoire. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est rarement folichon la première fois. Moi, je me souviens, ça fait un moment pourtant. J'avais 14 ans. J'aime autant te dire que c'était pas un doux. Raconte. Oh non, je vais pas te raconter ça, non. C'est dégoûtant. Bon Dieu, quand j'y pense. Tu sais, les hommes, ils sont pas tous gentils comme toi. Ils sont pas tous aussi beaux. Ils sont pas tous aussi bons.
Enfin, ça m'a pas empêché de continuer. Heureusement qu'il m'a pas complètement dégoûté, ce cochon. Heureusement, oui. Mais ta Jeanne, elle va continuer à l'aimer quand même? Ben oui. Surtout que très vite, ils vont partir en voyage de noces, en Corse. Et alors là, c'est plus la même histoire. La Jeannette, elle sent toute chose. Le soleil, la mer, ouais, la chaleur, l'odeur mordante des plantes qui épaissit l'air, la sueur des croupes. Mmh, ouais. Ouais, Jeanne aussi, elle est tellement heureuse qu'elle en pousse des cris d'allégresse. Elle frissonne de joie. Okay. Elle en pleure, la mignonne. Et Julien, ben lui, il comprend pas tous ces énervements de femme, ces affolements. Et puis d'un coup, le soleil les inonde. Ils ont soif, alors ils trouvent une source toute petite, entourée d'un tapis de mousse. Jeanne s'agenouille pour boire. Alors Julien, il s'agenouille aussi. Ils se chamaillent pour boire au même filet d'eau qui se brise, qui se renoue, qui mouille leur visage, leur cou, leurs habits. Leurs lèvres se touchent. Et Jeanne remplit sa bouche d'eau. Et lui, il tend sa gorge, la tête en avant. Il sourit.